planter l'ail blanc au potager, c'est tout simple. On va tout simplement se procurer des têtes d'ail. Chaque tête d'ail contient à peu près 10 cailloux comme celui-ci. Et nous, on gardera quand même pour la plantation les plus gros. Alors, c'est tout simple pour la plantation. On va planter ça sur une légère butte ou sur une planche légèrement surélevée parce que l'ail n'aime pas les excès d'eau et ça permettra un meilleur drainage. On plante avec cette partie-là dans le sol. C'est par ici que vont arriver les racines. Et on les enfonce pas trop profondément, simplement à la main, de façon à ce qu'il y ait la petite pointe qui dépasse. On les espace entre chaque de 10 cm environ. Pas besoin d'amender la planche trop en amont parce que là, il n'est pas très gourmand. Ici, je les plante en quinconce. Ça me permet de gagner un petit peu plus d'espace. Et si jamais il vous reste des cailloux, eh ben, on va pouvoir aller en planter à d'autres zones du jardin, notamment avec les fraises parce que c'est une bonne association. Donc, vous pouvez en planter au milieu de vos fraiseraies. Et moi, j'en plante également au pied des pêchers parce que c'est un effet bénéfique contre la lutte de la cloque du pêcher. Donc voilà, j'en plante quelques têtes toujours au pied des arbres. Et ça permet de lutter un petit peu contre la coque. On se procure simplement l'ail en biocoop. Vous en prenez à peu près 5-6 têtes. Et on pourra récolter en juin-juillet quand les tiges seront sèches.